Bonjour, je suis le Major Guy Lebrun. Bienvenue dans ce nouveau tuto. Nous allons voir aujourd'hui le système d'ancrage dans le béton qui sert à soulever et déplacer des charges. Le matériel est composé de tiges d'ancrage, d'écrous à tête sphérique, de barres filetées de 200, 300 et 600 mm, d'une clé à fourche, d'une clé dynamométrique complète, de contreplaques et de plaques d'ancrage avec axe de chape et goupille ressort. Première opération, au moyen du marteau perforateur, percer un trou de 35 mm de diamètre et de 200 mm minimum de profondeur. Ensuite, visser la barre filetée dans la tige d'ancrage. Poussez la tige d'ancrage jusqu'à la même hauteur que le bord du trou. Retirez la bague en plastique. Posez la plaque d'ancrage sans la cheville. Vissez l'écrou à fleur de la barre filetée. Au moyen de la clé dynamométrique, serrez l'écrou jusqu'au déclenchement de celle-ci par un clic caractéristique. Il ne reste plus qu'à introduire la cheville et l'assurer avec la goupille ressort. La charge admissible est de maximum 5 tonnes par point d'ancrage. Voici encore un exemple d'ancrage traversant un mur de part en part avec la contreplaque. Voilà, merci de nous avoir suivis et je vous retrouve dans un prochain tuto. Au moyen de la clé dynamométrique, venez serrer l'écrou jusqu'au déclenchement de celle-ci par un clic caractéristique.